Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est Magie Jazzy sur YouTube, c'est parti. Ce soir, je vous retrouve pour vous parler d'un livre que je ne vous avais pas parlé du tout, et c'est bien dommage, puisque c'est celui de David Ethan, Magicabrac. Alors, David Ethan, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un géotrouve-tout. C'est quelqu'un comme Gaëtan Blum. Son cerveau fonctionne à 2000 à l'heure. Il ne passe pas un moment sans trouver une idée. Eh bien, ces idées, il les avait tout simplement réunis dans ce livre, Magicabrac, et il a abordé plusieurs thèmes. Ce soir que je vais vous présenter, c'est le thème de l'Open Prediction. Open Prediction, c'est Paul Curie qui a posé les règles de ce tour. Une carte est nommée avant tout, et la prédiction est faite, puis une carte est nommée et la prédiction correspond. Voilà. Eh bien, David s'y est intéressé et il a trouvé une version, je trouve, très 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 intéressante et ma foi très bluffante. Ce livre, vous pouvez le retrouver chez CC Magic, bien sûr, c'est CC Édition qui l'avait édité. Et mon petit doigt me dit que possible qu'il y en ait un deuxième un jour, on ne sait pas. Enfin bon, voilà, on verra si David commente la vidéo. Je vous mets les liens dans la description pour ce livre, pour les promos, pour tout ce qui se vend chez CC Magic qui peut vous intéresser pour faire de la magie, les jeux de cartes, enfin bref, tout ce que vous avez besoin. Guy et jeu. Ce soir nous propose Sea Salt and Pepper. Donc c'est de Bruno Catala. Alors ça se joue à partir de 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, et les parties durent en moyenne 30 minutes. Les plus du jeu, eh bien c'est un jeu de cartes très simple mais très astucieux. C'est un univers visuel unique à base d'origami créé spécialement pour le jeu. Et puis enfin, eh bien les rebondissements en fin de partie sont légion et le vainqueur est toujours incertain. Bref, je vous mets une vidéo dans la description, n'hésitez pas à les voir. Et puis sinon, www.guyajeu.fr, les boutiques, vous les connaissez, la petite derrière, c'est Chinon. On a posé une date, on devrait aller l'inaugurer le 20 novembre. Mais ça, je vous en reparlerai dans les vidéos qui vont venir. Le congrès approche, c'est dans 3 semaines. Il reste des places très très peu pour le pass magique, donc n'hésitez pas à les prendre. Je vous mets de toute façon les liens dans la description, ainsi que la vidéo pour vous présenter le nouvel artiste ou la nouvelle attraction de la semaine pour ce congrès qui se tiendra du 27 au 30 octobre. Je vous laisse donc avec cette open prédiction, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ciao. Bonsoir Emma. Bonsoir. Bon, ça va bien? Ça va super. Très bien, cette rentrée à la fac, formidable. Formidable. Eh bien, super. Incredible. Bon, ah oui. Alors, un jeu de cartes, d'accord? C'est bon? Un jeu de cartes, alors moi je peux le mélanger, mais si c'est moi qui l'ai mélangé, après on va dire que j'ai triché. Ce qui n'est pas le cas. Donc je fais un premier mélange, mais je te laisse battre les cartes comme ça. Le jeu, il ne faut pas qu'il sorte de l'écran. Donc vas-y, tu bats les cartes ici. D'accord, ok. Voilà. Yes. Mélange à la française. Je suis pas une professionnelle. Hein, mais... Mélange à la française, Bernard Billis, cassette numéro 1. Eh oui. Voilà, quand on a. Ouf, là. Ça, c'est. Voilà. Hein, quand on a marre de. Voilà, tu poses le jeu. Moi, je vais faire une prédiction. En fait, c'est ce qu'on appelle une open prédiction. D'accord, ok. Donc, toc. Voilà, parfait. Hop, j'enlève, regarde, je plie et j'y touche plus. Le petit calepin, on en a plus besoin et je mets même ça avec eux. Voilà, okay. Tac, c'est bon? Parfait. Vas-y, tu vas. Alors c'est toi qui vas tout faire, moi je ne vais rien faire. Tu prends le jeu, voilà, tu retournes le jeu et tu distribues les cartes sur la table. Voilà. Et tu t'arrêtes quand tu as envie, bien sûr. Quand j'ai envie. Ah oui, quand t'as envie, tu t'arrêtes. Ok. Voilà. Ok, tu retournes le jeu, okay. Tu poses une carte face en bas, et tu re-retournes le jeu, et tu continues. Et t'es d'accord avec moi que je te dis, tu continues jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, on vérifie que toutes les cartes sont différentes. Et t'es d'accord avec moi que je ne t'ai pas influencé. Pas du tout. Bon. Très bien. Et là, on voit que toutes les cartes sont bien différentes. On est bien d'accord. Oui. Oui. Ok, on va égaliser, comme ceci. Aucune manipulation. Hein. Bien, on récapitule. On est d'accord, j'ai fait une prédiction, tu as mélangé le jeu de cartes. Oui. Ok, donc avant j'ai fait ma prédiction, tu as mélangé. Et ensuite tu as distribué, tu t'es arrêté quand tu voulais, tu as retourné une carte face en bas, tu as redistribué tout face en l'air. Donc franchement, je pouvais pas savoir. Ah oui. Est-ce que tu veux regarder le petit papier? Pareil, sans sortir de l'écran, voilà, parfait, tu déplies devant tout le monde.
colle un peu. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de pique. Est-ce que tu peux poser, s'il te plaît? Parce que même toi, tu sais pas quelle carte est retournée. Ouais. On va faire un ruban. Est-ce que la carte est toujours là? Oui. Oui. On peut vérifier. Hein. Toutes les cartes sont on peut vérifier si toutes les cartes sont bien différentes. Là, on a un 7 de cœur. Là, on a un 7 de trèfle. C'est marrant parce qu'il y a une carte qui est face en bas. Est-ce que tu peux la, vas-y, la prendre et la retourner? Et normalement, ça marche. On c'est a bien le 7 de pique. Et bien, écoute, merci beaucoup. Et puis, très bonne soirée et bon week-end surtout. Merci.